Tristan und Isolde is scarcely the story. Women at least should know the difference between love and death. No poison cup, no penance. Merely a notion that the tape recorder should have caught some ghost of us. That tape recorder not merely played, but should have listened to us, and could instruct those after us. This we were, this is how we tried to love, and these are the forces they had ranged against us, and these are the forces we had ranged within us and against us and within us. Cette vidéo vous arrive en retard, je l'avais initialement prévue pour la semaine de la visibilité lesbienne, qui était déjà il y a plusieurs mois. C'était l'occasion de partager des artistes, des femmes politiques, des activistes, des penseuses lesbiennes. C'était l'occasion aussi de partager des ressources pour mettre en lumière des créations de qualité, des questions importantes et des revendications toujours d'actualité. Alors sur le sujet, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai filmée il y a environ un an vous présentant des auteurs gays, lesbiennes ou bisexuels. Le lien sera en barre d'infos. Aujourd'hui toutefois, je voulais parler plus précisément de personnages de fiction, de représentation du lesbianisme ou d'ouvrages consacrés à la question dans la littérature. J'espère que cette vidéo vous plaira. Yann de Pougy est une femme peu connue mais qui a pourtant marqué la Belle Époque par ses différentes activités artistiques. C'est aussi l'une des figures principales du Cercle de Lesbos ou du Paris Lesbos, qui était établi, bien évidemment, à Paris, à l'époque, et ce roman, Idylle saphique, publié en 1901, est une plongée précieusement stylisée dans cet univers. Il s'agit en fait de la retranscription de la liaison de Liane de Pougy avec Nathalie Clifford Barney, ce qui ajoute au côté transgressif de l'œuvre, il me semble, étant donné qu'il est de nature autobiographique. Nathalie Clifford Barney, qui elle aussi a laissé des écrits parlant de ses aventures homosexuelles. The streets of the Latin Quarter in Paris are rich in the birthplaces and houses of writers. Racine was born here, and here Balzac set up his printing press. Hidden away behind this wall stands one of the most mysterious houses in the center of Paris. It's adjoined by a small Doric temple dedicated to friendship, which is especially appropriate as the house, an 18th century villa, belongs to one of the most intriguing literary hostesses of this century. The great writers who passed through this house make up a roll call of the modern movement. Rilke, D'Annunzio, Colette, James Joyce, Ezra Pound, Paul Valéry, Hemingway, Gertrude Stein, T.S. Eliot, Proust, the list goes on forever. The lady who presided over this gathering is an American called Miss Nathalie Clifford Barney. She's in her 91st year, has lived in Paris for 55 years, and is completely bilingual in French and English. After an irregular, luxurious education in Cincinnati, she came to Europe. She was a wild girl, and amongst other schemes, she planned to found a colony of women poets at Mytilene on the ancient island of Lesbos. She's written poetry, verse plays, short novels, and perhaps most characteristic, aphorisms. Like Oscar Wilde, she's put her genius into her life, and especially her friendships. Some of the greatest writers and artists, one can say, of the century, have praised your genius for friendship. Is friendship still the virtue you value most? I think it's the most lasting and the most free of passing emotions. Therefore, I'm very glad to be the best of his temple here. In one of your friends, I find I've never given up my friends. They've given me up, but I never given them up. A sense of loyalty and of choice. Thank you.
Restons dans ce cercle si intrigant avec la poétesse britannique d'expression française Renée Vivien. Renée Vivien est peut-être l'autrice la plus connue de ce cercle restreint. Elle était d'ailleurs surnommée Sappho 1900, Sappho 100%. Et son œuvre est sans cesse relue et réactualisée à la lumière d'études nouvelles. C'est une œuvre protéiforme avec notamment des poèmes, des nouvelles et même des romans, dont L'Aimé, publié ici aux éditions Les Plumées, qui font un travail remarquable pour mettre en lumière des œuvres écrites par des autrices oubliées. Toujours en lien avec Nathalie Clifford Barney, Mon frère féminin, de Marina Tsvetaeva, lui est adressé. Alors, c'est un texte, cette fois-ci, qui relève plutôt de l'article ou de l'essai, de la réflexion personnelle, si vous voulez, et qui s'intéresse au lesbianisme, comme certains des poèmes en fait, de la poète russe, qui sont rares toutefois. Mon frère féminin, c'est un ouvrage assez ambivalent par moments, qui peut encore être polémique, à mon avis, et qui ne mettra pas tout le monde d'accord, mais qui a le mérite d'exister. Alors, toute autre époque et autre continent, mais toujours avec la force poétique, on retrouve Audre Lorde. I remember how being young and black and gay and lonely felt. A lot of it was fine, feeling I had the truth and the light and the key, but a lot of it was purely hell. There were no mothers, no sisters, no heroes. We had to do it alone, like our sister Amazons, the riders on the loneliest outposts of the kingdom of Dahomey. We, young and black and fine and gay, sweated out our first heartbreaks with no school nor office chums to share that confidence over lunch hour. Just as there were no rings to make tangible the reason for our happy secret smiles, there were no names nor reasons given or shared for the tears that messed up the lab reports or the library bills. We were good listeners and never asked for double dates, but didn't we know the rules? Why did we always seem to think that friendships between women were important enough to care about? Always, we moved in a necessary remoteness that made, "What did you do this weekend?" seem like an impertinent question. We discovered and explored our attention to women alone, sometimes in secret, sometimes in defiance, sometimes in little pockets that almost touched. Why are those little black girls always either whispering together or fighting? But always alone, against a greater aloneness. We did it cold turkey, and although it resulted in some pretty imaginative, tough women when we survived, too many of us did not survive at all. Alors, il y a mille et une raisons de se tourner vers Audre Lorde et ses écrits, malheureusement encore trop peu traduits en français. Je ne suis pas vraiment une inconditionnelle de la poésie contemporaine, mais Audre Lorde m'a séduite dès les premiers vers. Audre Lorde, c'est une autrice qui est également intéressante car elle s'est exprimée notamment dans des articles sur ses processus d'écriture, sur sa décision d'aborder sa sexualité en poésie justement. C'est une mine d'or pour étayer ses réflexions, découvrir des poèmes sensuels aux images très évocatrices et à l'univers riche. La nature y est omniprésente, la question de la race également, ainsi que des formes anciennes revisitées comme le blason par exemple. On va rester aux USA pour une autre lecture contemporaine que vous connaissez sûrement, plus via l'adaptation cinématographique qui en a été faite, The Price of Salt. C'est le titre original de ce roman de Patricia Highsmith et qui présente deux protagonistes lesbiennes dans une société états-unienne puritaine et profondément conservatrice. Il y a une tension qui se ressent dans l'écriture tout en retenue et condensée de l'autrice qui, à mon sens, s'y est parfaitement au sujet. Et je vous laisse découvrir d'ailleurs dans la barre d'infos le lien pour la vidéo que j'ai dédiée à ce roman tout entier. Et dans le cadre de mon club de lecture, il y a quelques mois déjà, nous avons lu The Well of Loneliness de Radcliffe Hall, qui est une autrice méconnue en France et qui gagnerait pourtant à être plus lue et plus étudiée. The Well of Loneliness, traduit en français par Le Puits de Solitude, c'est un roman de 1928 dont la protagoniste vit son lesbianisme en Angleterre et à Paris, de façon si explicite que le livre fait scandale à sa sortie et qu'on cherche à le faire retirer de la vente. Alors un petit peu comme pour Renée Vivien ou comme pour Liane de Pougy, on est d'ailleurs dans les mêmes cercles, c'est également à teneur autobiographique. Là on s'éloigne un petit peu, on se retrouve en Inde avec Ismat Chughtai, dont j'ai parlé dans un épisode de mon podcast, et qui s'intéresse à l'homosexualité féminine dans sa nouvelle Le Kilt,
transgressant ainsi les tabous sur la sexualité qui sont très très forts dans son pays. C'est une nouvelle que je vous recommande vivement, qui est extrêmement bien écrite, qui est vraiment dans l'ambiguïté et l'implicite et que j'avais trouvée passionnante. Les hommes aussi présentent des amours lesbiennes. Zola, par exemple, dans le roman éponyme Nana, magnifique roman d'ailleurs, sur la condition des courtisanes au 19e, avec une dénonciation de la prostitution et de la domination masculine. Il y a Verlaine et Baudelaire qui consacrent des poèmes à des femmes qui s'aiment, avec sensualité voire érotisme, ce qui leur a d'ailleurs valu d'être censuré à l'époque. On peut penser aussi à Tanizaki, auteur japonais incroyable, qui nous présente une histoire malsaine et ambiguë comme il sait si bien le faire, mettant en scène des amours entre femmes et hommes dans un de mes romans préférés, Svastika. Alors qu'en Chine, on a par exemple Yu Dafu, qui reprend cette écriture très ambiguë dans son recueil de 3 courts romans ou longues nouvelles, si vous voulez, Rivière d'automne. On ne peut pas non plus oublier Colette, qui fut non pas lesbienne mais bisexuelle, mais qui s'étend assez longuement dans le pur et l'impur sur les relations entre femmes et qui fréquenta également plusieurs autrices, actrices, artistes lesbiennes de l'époque. Alors il y aurait encore beaucoup à dire sur l'écriture du lesbianisme, l'écriture lesbienne au fil des siècles, notamment par exemple avec Sappho, bien évidemment, il me semble que c'est assez évident. J'avais envie de faire une vidéo assez courte vous présentant quelques œuvres, vous donnant quelques pistes de lecture et vous présentant également des extraits de ces œuvres. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, avec plus de profondeur, plus longuement, je vous conseille d'aller écouter le nouvel épisode de la saison 2 de mon podcast littéraire, La Rencontre Fortuite. Le premier épisode est en effet consacré à ce sujet-là, LCM, le lesbianisme en littérature, et j'y explore avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de réflexion, cette question du lesbianisme, des amours lesbiennes, etc. en littérature. Le lien sera bien évidemment, comme toujours, en barre d'infos. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture, des envies de lecture également, et je vous retrouve très prochainement.